Jouer Samuel Je le sens bien. Les gars, regardez, on va jouer franc jeu, d'accord? Je vais pas vous caresser dans le sens du poil. Il nous reste une game aujourd'hui, donc du coup à 22h, une game demain à 20h qui sera contre MDR, l'équipe de Zerator. Soit on fait 2-0, soit c'est ciao les playoffs. Si jamais d'ailleurs il y en a qui n'ont pas compris, c'est pas ceux qui feront premier qui gagnent la Coupe de France. Là en gros, on fait qualification pour aller en playoff, pour ensuite après en playoff, là tu joues le titre de la Coupe de France. Donc là il faut qu'on fasse 2-0. Il nous reste 2 games, il faut qu'on fasse 2-0. On a très mal commencé. On a fait 2 loses, mais là on est bien revenu. Enfin en tout cas, on a montré un très beau visage là aujourd'hui. Magic qui a été formidable. J'espère que ça va être encore le cas pour cette game, et voilà. Hein. Je crois qu'il nous a lâché un petit 23 kills, MVP, bien mérité. 19 non? Je sais plus. Je crois qu'il était 19 à la fin du half. Genre à la fin du premier half, il était déjà à 19 kills et il a fini à 23, il me semble. Ah ok, d'accord. Okay. Il était monstrueux. Dans tous les cas, il y a eu très peu de rounds dans la game vu que c'était un beau stomp. Allez, à voir. Vous connaissez des joueurs de chez Colors ou pas du tout? Genre des Blaze ou quoi que ce soit? D'ailleurs, Color qui sera avec nous en VRL, du coup, si j'ai pas de bêtises. C'est une équipe VRL, Color. Si, non, je pense que tu dis des bêtises. Hein. Ah ouais, c'est Family qui est devenu une équipe VRL. C'est F9. Ah, c'est F9. Ouais, voilà. Ok, eux, c'est une équipe. Je sais pas trop. Comment ça se passe? Parce que t'as vu, il y a toujours les questions de. Les salaires, est-ce que ton dossier il passe dans la ligue et tout, tu vois? Ah, c'est pas sûr en gros que F9 y vienne? Non, tant qu'ils n'ont pas été validés officiellement par la Ligue, ils peuvent toujours se faire refuser le dossier, quoi. Et bon, après, je pense qu'il y a quand même peu de chance, mais c'est possible, quoi. Peu de chance qu'ils fassent accepter ou refuser? Non, refuser. Ah, ok. Asen, vous pensez quoi de cette map, honnêtement? Meilleure map du jeu. Oh ouais. Salut lui oh. Les CEO sur la même longueur d'onde. Première fois vraiment. Et genre by far. Ouais, vraiment, en fait très, très loin. C'est la map la plus normale. C'est la map la plus CSIN de Valorant, tu vois. Parce qu'elle est équilibrée des deux sides. Ouais, elle est équilibrée. Il y a un mid, un accès en A par le mid, un accès en B par le mid, un city, un short, un long dans chaque side, poteau. Il n'y a pas de tu vois. Il n'y a pas de TP, truc de machin de bizarre et tout, frère. Il n'y a pas 3 sides. Il n'y a pas Allez, il y a 2 portes qui se ferment, petite mécanique ouais. De Valorant, ça c'est bien. Et pareil, tu vois, équilibré de chaque côté, il y a une porte qui se ferme. Ouais, tu peux fermer le short de chaque côté. Et il commence à être lancelet, que se passe-t-il? Alors on découvre la map. Ok. Oh, il y a Spike, merde. Ah ouais, il y avait le Spike, c'est vrai qu'il y avait le Spike. Big Ben. On sera toujours pas. Fatih est en train de dire ouais, je pense pas que JL ils vont gagner. De toute façon, la game d'avant, je pense que c'était beaucoup de chance. Ouais, c'était beaucoup de chance. Là, il est en train de répondre. Oui, c'est vrai. Voilà, on a vu JL, ils avaient pas trop un bon visage. Là, aujourd'hui, ils ont gagné, ils ont eu beaucoup de chance. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je pense juste que Exalti ont été moins bons. Voilà, je pense juste que ça jouait là-dessus. Ouais, voilà. Exalti, ils ont pas montré un très beau, sinon, un très beau visage. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. De gagner contre Ginger. Et on rigole, hein! On rigole, les casters, on vous aime, hein! Je vous aime bien, Fatih, hein! Juste Mais oui, je pense, mais juste. Je pense que c'est nous, on bloque aussi là-dessus un petit peu parce que c'est notre équipe, tu vois. Ouais. Fatih, mais dit que du bien de lui en plus. Il l'aime beaucoup. Fatih? Ouais, il aime beaucoup Fatih, Fatih. D'accord. Moi aussi, je l'aime bien, c'est un bon être humain. Fatih? Non, Fatih. Ah, ok. Je vais se mélanger avec le pseudo. allez, pitié, The Bee. A gauche, c'est qui? C'est Binet? Bah oui. Ok. Bah je sais pas, je le reconnais non, pas. Non, c'est Hero. Non, c'est Hero, c'est Hero. C'est Hero? Oui, ah, c'est Hero. Ok. Trois bons Hero. Et c'est parti pour les drafts. Ok, la compo, est-ce qu'on a joué la même que tout à l'heure? On joue la même que tout à l'heure, normal. On a baisé tout le monde. Donc on garde la même, compo plutôt normal. Franchement, on l'appelle la Classico Ascent, cette compo. C'est la Classico Ascent, ça. Ça peut être une Killjoy en général sur Ascent à la place du Cypher, mais sinon c'est la Classico Ascent. C'est cette compo d'ailleurs qu'on a joué Ascent et qu'on s'est fait fumer. Jour 1. Non, c'était Haven. C'était Haven. On avait un caillou? Non, on avait pas un bridge à la place du caillou. Ouais, on avait un bridge à la place du caillou, ouais. Ouais, j'ai joué bridge. Pas de flash? Bon, on avait pas de flash non plus tout à l'heure, hein.
Ouais, ouais, on a pas l'air d'avoir besoin de flash tout à l'heure. Ouais. La prise d'info, on n'a pas de flash. La seule diff, c'est que nous, on a deux duellistes et eux, ils en ont qu'un seul. Ouais, et d'ailleurs, on commence en défense. Donc, si on tient bien la défense, il y a moyen de faire des belles choses en attaque. Ouais, en sachant qu'Assen, c'est une map défense. Voilà. Ah ouais? Ouais, mais on a une compo attaque. C'est une map défense parce qu'en gros, tu peux très facilement empêcher l'attaque de des points. Tu vois, genre, il y a une petite. Enfin, c'est que des petites entrées, tu vois. Oui, Tada, c'est une entrée, du coup, un CFR est très fort. Quand une map, elle est équilibrée, en général, elle est orientée à défense. Dis-toi ça. Surtout avec les sentinelles. Je trouve que les sentinelles, c'est un des rôles les plus forts du jeu, si vous pouvez me contredire, mais. Je trouve que CFR Killjoy, c'est fort, hein. Vous m'arrêtez, c'est une exception, mais je crois que toutes les maps à deux sites, avec des compos classiques, elles sont orientées défense, et toutes les maps à trois sites, elles sont attaque. Alors, je peux te dire que toutes les maps à trois sites sont bien attaque. Ouais. Après, les maps à deux sites. Y'a quoi comme map avec attaque? Je sais pas là, je réfléchis comme ça, mais. Non, moi non plus, ça me dit rien là. En fait, ça dépend, vu qu'il y a, je joue beaucoup double dueliste. Pearl, ouais, c'est vrai que Pearl, c'est une map attaque. C'est vrai que Pearl, c'est quand même pas mal attaque. Pearl d'ailleurs, qu'on n'a pas encore vu. Hein. Mmh, ouais, c'est normal, personne va la jouer. Ouais, je pense que Pearl et Fracture, tu les verras pas du tout. Mais j'aime bien Pearl, pourquoi? Mais parce que vu que en gros. Plus pack. Oui, du coup, plus personne les traîne et du coup, bah, on les banne. Ok, d'accord, je vois. Bon, ça en gros, là, c'est la dernière compète. C'est la dernière compète où il y aura. Du coup, ça veut dire que les entraînements, ils ont commencé avec les nouvelles maps, tu vois. Ok, tu s'arrêtes ou ça bouge? Non, ça continue. Okay, j'aime bien. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti! JL contre CLS, Jump Life contre Empreinte Digital. On commence en défense. Tout à l'heure, on a montré un très beau visage. J'aimerais bien qu'on remonte le même si possible. Ça devrait bien se passer. Dites-le voir, de toute façon, c'est le même visage. Ouais. Pitié. Prise d'information pour l'instant dans le A, ils osent pas trop y aller. Starkey d'ailleurs qui joue pas on-site. D'ailleurs, depuis le début, Starkey joue on-site. Je pense qu'on a dû changer les strats parce qu'à mon avis, CLS, ils ont regardé notre game. Sachant que là, on joue exactement la même map avec les mêmes trucs. Du coup, on a dû bouger quelques trucs pour les surprendre. Parce que là, ils doivent se dire, ouais, Starkey, vous avez vu, il joue tout le temps on-site, machin, ceci, cela. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'ils ont eu le temps de regarder la rediff de la game. Ok, il va. Fake. Ouais. Regarde le couteau qui est raté. Thomas, ta cam, mon frère. Oh merde, ma cam. Oh putain. Désolé. Chef. Chef. Pardon. Allez, les mecs. On a toujours zéro mort dans le round pour le moment, il reste plus que 35 secondes au compteur. Et on est... Ça accélère, hein. On est 3 en B. Plus ouais. 30 secondes. On a c'est bon CLS, pressé. Oh le grab ça va toucher. Cypher il va mourir. Non, Cypher qui va pas mourir, Yopa qui arrive à récupérer le first blood. Sur cette jet, allez, tire à travers Yopa. Oh dommage, il va réussir, il aura trouvé des dégâts, Yes qui va réussir à faire tomber Marcinho qui sera là pour la revenge. Il reste 15 secondes, 3v2. Allez, le temps. Oh Marcinho, doigt de fée. Oh mon dieu, les deux ont rechargé, il n'y avait plus de balles. Et Marcinho qui va réussir à sécuriser ce round avec le triple kill. Très bien. Très bien. Doigt de fée. Non mais le duel rechargement. Les deux qui rechargent en se regardant droit dans les yeux en mode merde. Marty qui fait une très bonne Coupe de France. Franchement, Marty qui monte des bonnes games, ouais. Marty qui monte des bonnes games. Pourtant, il flex pas mal de champions en plus, donc. Les deux recharges me terminent derrière. Ouais, mais ils se regardent. Attends. Mince. Allez, round bonus. On a nos armes, ils en ont pas. Round très important, il faut absolument pas le perdre. Commencer à connaître les économies. Oh, bon knife. Comment ça marche, knife? Yopa qui est pas détecté. Là, attention, ça peut être dangereux, on a quand même deux shérifs côté Colors. Attends, mais y'a pas un décalage son sur le clean feed? J'ai pas l'impression. Pas dans ma POV en tout cas. Tu voulais que je relance? Non, je pensais peut-être que le stream, hein. Sur le partage d'écran, y'a un décalage de fou. Oui, je le relance, partage sans son. Non, ça le fait tout le temps. Tout le temps? Ouais, t'inquiète, le partage, on met juste pas de son. Oulala, Yopa. Oulala, Yopa, il a l'information, Yopa. Il a l'info. Marcinho qui est flash, il va devoir reculer un petit peu. Cette porte qui va être fermée. Magic a réussi à trouver un kill, j'ai l'impression, à travers la smoke. Je sais pas d'où. Marcinho qui va tomber, attention. Yas qui sera là pour la revenge. Y'a Spike, hein. Y'a Spike. Ouais, on a le Spike. Non, c'est bon, il l'a récupéré. On a un 3v4, il faut pas de choc. Zark qui réussira pas à trouver le kill. Sur c'était qui? C'était Jet. Oh Yas. Attends, il a sur un kill là, Yas. Ouais. Attention parce qu'on est low HP, hein. Oh, ouais, il a touché. Très low tous là. Ouais. Attention parce qu'on est low HP. Yas qui sera beaucoup plus fort que Skyo. 4v1.
4v1, on veut pas perdre d'armes. On veut pas perdre d'armes. Le round, je pense qu'il est gagné. Je pense, mais ce qu'on veut pas, c'est perdre une arme. Ok, on en perdra une. Bon, attention quand même, attention quand même, Yopa, non, Yopa. Très solide, mais Yopa, mais c'est qui me choque, Yopa, moi. Je te dis la vérité, je suis très content de Yopa. Mais je suis très content de Yopa, hein. À chaque game que je le vois jouer, je me dis, mais ce petit à 16 piges, c'est frère, Sophie. Mais oui, 16 ans, en fait, on dirait pas, là, genre, tu me dis, c'est Nate qui joue, tu sais, je suis pas à choc bar. Ouais. Il a eu 16 ans il y a un mois, genre, c'est. Il est impérial. Vous faisiez quoi quand vous aviez 15 ans, vous? Hein, qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez 15 ans? Je suis là, vous pissez encore au lit. Même Yas, hein. Je crois qu'on va pas assez. Yas qui a tout juste 18 ans aussi, hein. Yas qui est plutôt jeune et qui fait une sale game là dès le début. Ouais. Les belles têtes qui sécurisent bien les rounds. Ok, je réitère pour les noobs de Valorant, vous inquiétez pas, ça je le fais tout le temps. Mais là du coup c'est notre round bonus, round qu'on est censé perdre parce qu'eux ils ont leur full stuff, nous non. Donc si on arrive à faire tomber des armes, si on arrive à gagner le round, c'est une dinguerie pour nous. Si on le perd, c'est entre guillemets normal, mais bon il faut qu'il arrive, on veut faire tomber des armes. Parce et Yas il a quel âge? 18. Ah ok. Je sais pas, ouais, je crois. Il est pas très grand, mais il est pas très vieux. Oh, y'a la 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 la. Mais il est très grand, mais il est gigantesque. Magnifique kill. Ça, c'est un kill qui met très mal quand tu commences à round avec 5 vandales. Tu te prends. Ah ouais. Oh la 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 la. Ça commence. Mais Star Wars, mon dieu. Quoi? Je viens de me tuer le tête à travers le mur, mais qu'on check leur PC, frère. Ok, mais Yas il a 22 ans par contre. Il a 22 ans, ok, pardon. Un peu trompé. Allez, il faut se kill sur le garden, Yas. Triplé. Mais les mecs, mais ça choque personne là. Attends, mais là, je suis choqué là, photo là. La guardia. Allez, attention, par contre. Non, mais c'est la tête à travers le wall. Comment il a eu l'info? C'est avec le boombot? Bon, tu sais. Non, même pas. Le cheat, hein. Yopa qui a com, Yopa il a dit ouais, il est là. Que 30 secondes. Allez, attention, on va rentrer sur le A quand même. Ça peut être dangereux, situation de 2 contre 5. Non, parce que. Oh là là, dommage. Si vous le mettez, j'avais peur. Ouais. Putain de merde. Même si ça aurait été un cheater, c'était un. Quand tu cheats, t'es discret un petit peu, tu vois. Là, c'est même pas discret, là, yo. Ça commence à se voir. Ça commence à se voir et on est encore 2v1. On est encore 2v1 pour ce round bonus. Ça peut. Si on met ce round, on tire à travers. Ah, yo, pas. Il a sécurisé le round quand même. Il a pas le wallhack de Yas, malheureusement. Faut qu'il lui envoie le lien. 75 HP, il est grave. Et Marcelino qui va réussir à sécuriser le round bonus, mesdames et messieurs. Et CLS qui repart en économie. J'ai eu peur quand même là, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Peur de quoi, on est en bonus dans tous les cas. Ouais mais en fait genre j'ai eu peur qu'on choque le round en 4 contre 2. Mais là ça va, c'est passé. Mais non mon petit chaton, mais non. C'est vrai, je le connais pas encore assez, j'ai l'impression. Mais regarde, ils sont en économie. Non mais attends, mais je veux comprendre, il y a forcément une explication mathématique. Il a, je te dis la vérité, là il a 2 balles en fait. Mais c'est trop de gris. Il a l'info, il tire au hasard genre. Je pense qu'il Yopa il donne l'info, il lui dit qu'il va y avoir 2 mecs short. C'est ça. Non c'est trop dingue. Ils doivent avoir trop la haine. Et là vraiment il y a un coin de leur tête où ils se disent là la jet elle cheat. Et ça va les bouffer pendant toute la game. Pendant toute la game ils vont se dire la jet elle cheat. T'as dit quoi? Ouais. C'était pas un short job life, la demeure je serais plein en mode wesh. Ouais. Contre nous je pète un câble hein. Ouais. Contre nous, je pète un câble. Chez nous, c'est bon, les mecs. Allez, Magic. Pour sécuriser ce short. Ils sont en économie, on veut pas perdre ce round. Et encore Yas qui vient de faire un travers. Un double kill à travers. C'est trop bizarre. What the fuck. Magic qui est très dangereux pour eux. Oh, Magic, premier kill, double kill. Taki qui était là pour récupérer. Dommage, on a pas vu le kill de Yas. C'est pas un travers, il y a la smoke qui s'est truqué après, mais je dis ça pour le content. Allez, parfait, on perd pas une arme, c'est magnifique. Tu veux que je te dise un truc que je trouve vraiment bien avec cette équipe? Quoi? C'est que qu'importe la game, qu'on gagne ou qu'on perde, tu vas toujours avoir un mec qui va exploser la game chez nous, genre. Et si tu regardes, c'est jamais le même. Ouais, c'est vrai. Tous nos joueurs, première c'était Marty. Tous les joueurs carry et peut hard carry une game. Première Marty, deuxième Yopa. Troisième Magic, et là quatrième c'est Yas actuellement. Ouais. Pour l'instant c'est Yas. Nécessaire. Time out. Et ça c'est un gros avantage que t'as besoin d'avoir dans une équipe. Pour rappel, Yas est sur un side défensif actuellement. Donc à voir ce qu'il va faire avec sa jet en side offensif. Et je le rappelle qu'on a une compo attaque encore une fois comme la game tout à l'heure.
Allez, restons concentrés. 4-0, c'est... j'ai l'impression que c'est devenu une routine à être derrière game. Ah, faut pas prendre la confiance. C'est là le timeout qui est bien envoyé pour CLS parce qu'il casse un petit peu notre temps fort, notre momentum. Le maintenir. Hein. Là, si on met ce round juste après un timeout, ça fait un coup dur au moral, ça rabaisse encore plus côté Colors. Surtout qu'ils viennent d'acheter 5 Vandales. Et je t'assure, Thomas. Là, Loani est en train de leur dire. Oui, pour le coup terre. Tout va aller en A. Pardon. Pardon les Portugais, je me suis un peu emporté là. Oui, le coup terre dans la phrase. Voilà, c'est le seul truc que j'ai dit avec l'accent portugais. Putain. Désolé les amis. Ah oui, il y avait Tractoupel aussi que j'avais dit. Putain, j'aurais dû le caler. Oh. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, l'année qui est dangereuse, hein, l'année de Yopa. Est-ce qu'on va poke quelqu'un? Non, malheureusement, on touchera personne. Pourquoi tu rigoles là? Oh, Yass, il est dangereux. Oh, Yass, il est très dangereux dans ce corner au niveau du A. Attention, Colors qui s'aventure de le main A, ça peut leur coûter très cher. Ouais, attention parce qu'ils ont des armes. Hein. Ils ont des armes cette fois. Oh, le grab de Astra qui a touché, je crois, l'ulti Sova, c'est qui? Oh là là, Yass! En l'air, qui arrive à récupérer un headshot, Yass, le double kill! Le double kill de Yass, il est complètement flash, il va quand même réussir à survivre, Yass! Y'a pas qui se. Non, Yass et Yopa, c'est trop, c'est ce duo, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est tic-tac, hein! Ah, c'est tic-tac, mon gars, c'est. C'est tic-tac, frère, ils sont complètement toqués les deux, ils sont trop forts! Allez, faut cocher comme ça, situation de 5 contre 2. Mais quoi? Mais non, quoi? Mais là, il me choque, ça. Je vous jure qu'il me choque. Pourquoi on joue pas comme ça, gamer? Putain, mais qui se rappelle de la première game? Non, mais qui était là pendant la première game, les mecs? On s'est fait exploser, qui se rappelle? Ouais, qui se rappelle? Non, mais qui se rappelle? Quand je vous le disais, c'est pas ce que je vois en scrim. Qui s'en rappelle? Et qu'il y en avait qui me disait, oui, c'est ça. Rendez-nous Roden. Non, grosse force à Roden, évidemment. Hein. Mais juste, voilà quoi. On a le spike et maintenant on s'aventurer quand même. Non, mais parce que ça m'énervait. J'étais en mode, il critique les choix du coach. Comment tu peux critiquer les choix du coach? Par contre, il y a sur dueliste, c'est une dinguerie comment il est à l'aise. De base, il est dueliste. De base, il est dueliste. Ouais. Et notamment, je m'attendais pas à ce que Yopa soit aussi allé sur Raze. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit un peu bloqué sur cette jet. Et au finalement, le mec est polyvalent, 16 ans, il aussi entre cours de maths, jet, Raze. Franchement, Yopa, il sait jouer tout à peu près. Il peut tout jouer. Il peut même jouer Néon, il peut jouer Yoru, il peut jouer vraiment tout. En fait, c'est quand il a 16 piges. C'est-à-dire, tu sais, il est ado là, son vocer, c'est encore une éponge. Tu vois, il peut absorber plein d'infos, frère. Genre là, si jamais le coach il lui fait train Néon, il lui fait train ce que tu veux, frère, genre ça rentre vite. On les a poussés à save quand même, hein. On les a poussés à save en non mais deux ça frère, non mais, non mais déjà le premier kill de Yass, là qu'il arrive à survivre, non mais c'est trop dingue. Yopa qui est là pour la revenge. Là c'est beau, et ils sont en économie, enfin ils sont en économie double vandale. Donc attention quand même. Ouais, c'est le vandale du round d'avant, hein. Ouais. Allez pitié, faut le mettre celui-là pour les mettre encore plus au fond. Chaque round gagné, chaque round average. Ah bah chaque round en goal average, ça... Ça met bien en fait, ça met bien. Attention, quand même. Oh yes. Oh ouais, dommage, il avait le crosshair qui était pas au bon endroit. Prise de risque, il était compréhensible en vrai. Non mais, il a fait Zarma histoire qu'on le soupçonne pas trop qu'il cheat, tu vois. Là il est arrivé, il a dit ouais, il savait pas où on était. Ouais, surtout que ça se tentait en vrai, c'était close, hein. C'était trop grillé sinon. Oh, attention, le Chikayo qui est déclenché, on a encore 3v5, hein. On a encore 3v5, on est 3v4 maintenant. On a encore du monde, Starkey malheureusement qui arrivera à faire tomber le caillou, mais pas à le terminer. Marquinho à droite. À droite Marquinho. Dommage. Bien faire un round, au bout d'un moment. Ok. 5-1. Ouais, mais là ça va être la petite opérateur, non? Ouais, ça va être le petit opérateur dans les manias, ouais. J'ai cru voir un sniper là, j'ai cru le voir. Il était en ligne cassée, en vrai Soren c'est bien ce qu'il fait. Parce que du coup, vous avez vu, il décale en prenant la ligne de droite, il se dit ok, y'a personne à droite, du coup il commence à mettre son crosshair sur la gauche. Ah, dommage. En fait, ça. C'est des crowds, j'ai pas de bêtises, Soren là-dessus, là. Ouais. Sur le pic de Yass, du coup ça l'a un peu surpris. C'était bien joué. Ok, bon, tout le monde a de l'argent. Ça fait du bien à GLS. Tout le monde a bientôt ses ulti aussi, hein. Ouais. Ok, l'agression. L'agression en B, la jet qui est rentrée on site. La tourelle de Guido est désactivée, je sais pas pourquoi, on est trop loin. Trop loin, où l'arrivée? Oh là là, l'ulti. L'ulti qui touche tout le monde, j'ai l'impression, hein. L'ulti qui touche tout le monde, Marquinho qui va réussir à récupérer un kill. Magic, tire. Dommage. Yass qui a récupéré un kill avec l'ulti aussi également. 4v3, Marquinho. 3v2. Allez, 3v2, attention à gauche, attention à Cypher. Cypher il fait mal au cul. Oh là là, on le voit pas. S'il pique, on le voit pas.
un bon placement de petite chienne. C'est ce qu'il faut faire, hein. Je dis pas ça de manière péjorative. Allez, 2 contre 2. Oh, Yopa, la grenade qui réussit à trouver le kill sur Roman, 2v1. Il a l'info sur nous. Nous, on l'a pas sur lui. On sait pas qu'il est là, je pense. Ok, maintenant on le sait. Yopa, 1v1. Yopa, 1v1. Yopa, malheureusement, qui arrivera pas à sécuriser contre le vieux Cypher. 5-2. On a encore de l'argent, on peut encore acheter des armes. Dommage. Dommage, dommage. Parce qu'on envoie, on envoie l'outil de Fade, il touche, et là on m'a dit qu'on n'a pas le crosshair au bon endroit. Là c'était dur parce que du coup, il y a carrément l'opérateur qui masquait le petit coin là. FR il a fait mal là, il a bien joué en se tirant à cet endroit là. Oh Yopa, dommage, dommage, dommage. On a encore un opérateur. On a encore un opérateur. Oh, on va agresser, j'ai l'impression, on va agresser dans ce main. L'ulti raise, attention hein. Ok. Ça peut être dangereux pour eux si ça aventure un peu loin dans ce main avec Raze. Okay, j'ai l'impression que c'est un fake là, ils sont surtout en train de fake. Parce que là ça va jouer. Ah ok, on est en train de rota, on a lu Starkey. Ah il est vu Starkey, attention. Attention, Starkey qui réussit quand même à prendre le kill malgré ça. Alors qu'il y avait un Wallach en face. Ouais, Starkey qui pourra pas faire mieux, mais en tout cas Magic sera là pour la revanche. Oh Yas avec son opérateur qui va réussir à trouver un kill sur Soba. Oui Yopa, plus qu'un. Attention, double kill de Asko, mais non. Martillo qui sera là pour le calmer. 6-2, ça va très vite hein. Les rounds vont très vite. Ah mais là Starkey c'est phénoménal ce qu'il fait. Et au moment où il est sur un timing un peu faible, un peu weak, il y a Magic qui débarque du Garden pour récupérer un kill sur le Cypher. Bah là Magic, je vais le dire, mais Magic car il roule là. Parce qu'il arrive à bien temporiser. Ouais, il arrive à bien temporiser, il gagne vraiment pas mal de temps. En plus de ça il fait un kill alors qu'il est reveal. Ce qui est normalement franchement impossible. Yas, très good game, hein. Très grosse game Yas. Là il est bien haut, il va peut-être réussir à choper le kill sur Cypher, non, ça a été smoke. Ils sont là. Ok, on va jouer un peu plus haut pour... Oui, Starkey. Mais oui, je confonds tout le temps Starkey et Magic. Bizarre, pourquoi tu les confonds? Parce que les deux ils sont néerlandais et les deux ils parlent pas bien anglais. Oh dommage, Yas qui s'est fait bait par le Cypher qui est passé accroupi. Ça a décalé le viseur. Ils vont aller market là peut-être, mais on a Yopa qui peut être une bonne réponse. Starkey qui attire l'attention sur lui. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Et on a encore 4v5. Rien qui est fait. Ok, on les pousse à reculer, à passer sur ce main B. Polo D. Il est Polo D Starkey. C'est vrai. Et Magic il est quoi? Magic il est allemand mais il non, est. Il est néerlandais. Néerlandais. Ah, okay. C'est Yas qui est néerlandais. Non, Yas il est polonais aussi. Très merde. Ah, Yann. Il y a deux polonais frérot. Ah t'as bien lu les... Non mais si je les ai lus frère, mais j'ai du mal à retenir frère, à chaque fois je me trompe. Je suis calcul dyslexique, oublie pas. Attention Soren. Oh Marty le one tap. Oh ouais Marty. Marty encore. Oh le triple kill de Marty. Quoi raté de Marty de Ace. 5 balles. Oh non. Oh non il méritait tellement. Ok, 1v1, Starkey, malheureusement non, il fait chier celui-là. Ah celui-là il fait chier. Oh non, pas après le tap de Martin. Ouais, non, c'est ouais, vraiment là ça fait mal. Là ça fait mal, oh là là, mais Martinho. Et là on le voit, tu vois, Cypher du coup, il était parti sur Cypher, Yas. Oh, je n'ai pas censé le perdre celui-là. Ce qu'on voit c'est pourquoi ils ont l'air surpris d'où arrive le Cypher. Oh là, quel taf, mais Marty il mérite tellement le dernier, je te jure, il mérite tellement. Mais en plus il le met long. Non hein. Mais je pense qu'il pensait qu'il était encore on-site Magic. Magic il pensait que Cypher il était encore on-site. Qu'il avait le temps, je crois qu'il a changé d'arme, non? Il a pas eu un changement d'arme qui a été fait. Mais c'est vrai qu'il restait 15 secondes pour poser quoi. Oui, voilà. Donc arrête de critiquer mes joueurs toi, je te le dis. Ouais, en vrai je pense que c'est juste un pari risqué du Cypher, qui a payé finalement. Ok, mais là il dit quoi, Ivo? Qui, Ivo ou Lohan? Ivo, bah Ivo c'est Lohan. Pardon, ah, okay. C'est quoi Lohan là? Oui. Guys, c'est possible. Guys, moi. Je suis portugais. Vous allez attaquer le B. Après. Hermao. Faut faire attention quand vous rentrez sur les sites. Oui. Vous allez. Faut tuer des gens pour gagner les rounds. Je vais m'entraîner, les gars, retenez bien. Mon accent portugais
aujourd'hui et mon accent portugais que je ferai dans 8 mois. Retenez bien. Retenez bien, vous verrez bien les Portugais. Mes frères portugais, je vous rendrai fier. Je vous rendrai fier. Allez. On a 3 bons ultis là à côté de Job Life. On peut 6, faire 3. Quelque chose. Ce round, il est pour nous. Hein. On va prendre un feu sur le main B avec le ghost de Fade. On trouvera rien malheureusement. Oula, c'était parfaitement bait pour Colors. Mais on n'est pas naïf côté Martilinho. Oh là, bien joué ça. Du coup, on a l'info. On peut cut les reveals de Fade ou pas? On peut quoi? Cut. Non, je crois pas que tu puisses cut aussi haut. Ok. Il voudrait cut une reveal de Fade. C'est pour pas tirer. Oh. Oula, oh. Excellent ulti Martilinho sur le main B. Oh, il le savait, Marty. Il le savait, hein. Il le savait, Marty. La tête qui est rentrée, dommage. Ah, Yas, oui, le premier kill de Yas. Oh, Yopa, en tir croisé, Yas et Yopa qui sont en train de faire un carnage. Oh, attention, ça sort de la smoke, Yas qui sera là pour la. Oh, Yas, j'ai cru qu'il allait survivre encore. 2v2, attention, Starky Magic pour plier un classique. Deux frères de fauve, le M. Allez, fini. 71 HP, 30 HP, c'est très bas, c'est okay, très bas. Ça va pas toucher, ça va. On a touché une fois, Magic a réussi à prendre le kill sur Cypher. On a l'info sur le Sova, il a 30 HP, Magic, pour sécuriser. Okay. Oh. Voilà, tire lui dessus. Il a tiré sur qui? Je sais pas, mais qui lui tire dessus. La connexion, Yasiopa, on ouvre un débat maintenant. on peut ouvrir. Regarde, tac, un kill, directement, il arrive, Yopa, il sauve Yas. Mais moi, pour moi, là, c'est en train de faire un petit peu comme l'année dernière, où en mode, là, il y a deux binômes, tu vois. Il y a Yas, Yopa, et Starky Magic, et toujours Martinho, tu vois, qui est un petit peu dans les deux clans. Lui, il en a rien à foutre. Il est capitaine. Ouais, lui, il est capitaine. Ok, on a encore des ultis, vu qu'on utilise seulement une Martinho pour sécuriser ce round. On les met en écho. Faut juste pas prendre cet écho, en fait, c'est tout, genre. Ouais. Allez, on a de quoi la sécuriser, on a de quoi la gagner cet écho. Dans le pire des cas, on a l'ulti Killjoy s'il faut, si ça tourne, ça tourne un peu mal. Non, l'info. On sait qu'il y en a un dans le main B, mais on sait pas que c'est en train de se diriger vers le short. Tu vas pas être surpris sur le Garden. C'est tenu par quelqu'un, Garden, ou pas? Je vois pas. Ouais. Il y a Magic et Killua. Il est loin, mais il get. Puis de toute façon, il y a le full setup. Hein. Donc en vrai, s'ils viennent sur A, nous, je pense que ça nous arrange. T'as vraiment pas envie de jouer sur Astra Killjoy. Hein. T'as vraiment pas envie. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Cypher là? Pourquoi il est mid? Ouais, c'est vrai, ça. Il a croisé Marty. Il a dû croiser Yas, à mon avis, qui a dû lui mettre un travers 3 wall. Tu rigoles, mais c'est peut-être vraiment. Oui, ça, je pense. Ok, on va prendre la formation. Parfait. Et le temps passe, hein. Tic-tac, 45 secondes au compteur pour Colors, va falloir accélérer. On est vu pour Martinho. Vous voulez peut-être le travers avec le shérif, et oui, c'est ce qu'on voulait faire, réussi. Mais ça touchera pas. Si. Ah ouais, ouais. Ah oui, putain. Bon, moi, il a envie, c'est le principal. C'est Starky qui colle in-game. Mais c'est pas que Starky, c'est un petit peu, tout le monde en parlera après de ça. Oh, Magic est bien placé. Starky qui va réussir à faire un kill, deux kills, Starky, 3 kills, Starky. Est-ce qu'il peut encore s'arrêter? Il lui reste 4 balles. Oh Yas, allez, plus qu'un, 4 balles. Banks. Non, Starky Yas contre un kill. Ouais. Y'a pas encore eu de ace. 8-3. Tu disais quoi sur les coms? Ça m'intéresse. En gros Starky fait les. Il est lead call, mais y a, genre, c'est pas comme. Tu sais, l'année dernière, c'était vraiment que Roden qui collait. Ouais. Là, si jamais quelqu'un a un bon call à proposer ou quoi, ça peut être fait, tu vois. Ouais, on a un lead global, on a pas un lead individuel. Bah, ça, je sais pas quoi en penser en vrai. Bah, ça dépend, c'est des différents styles de jeu, tu vois. En gros, quand tu travailles comme ça, il faut juste des joueurs avec lesquels tu peux travailler comme ça, tu vois. C'est pas possible avec tous les joueurs. Oui, ouais. Ok. Ok, l'ulti Kayo qui est déclenché, attention, parce qu'ils ont des armes, même s'ils sont un petit peu. Il y a une bulldog, il y a des petits shields, mais ils sont armés. Le A, c'est vide. Ok, on a abandonné le A pour passer par derrière. On joue la retake parce qu'on a l'ulti Killjoy. Ouais. Oh là là, ce qui arrive par derrière. Et en vrai, le move est. Attention, vraiment trappe. Pas mal, genre. Tu sais que moi je sais sauter au-dessus de ça. À travers le trap crouch de. Il faut sauter accroupi. Et t'as une chance. Okay. Oh, attention. Oh là, est-ce qu'on sait que. Oh non, il a cancel. Allez, 5v5, ulti qui est déclenché. On a encore l'ulti Astra. Martinho qui va réussir à récupérer un petit kill. Oui, oh là, Yopa et Yas qui réussissent à faire le kill également. 1v4, 1v0. On l'a battu. 9-3. C'est exactement là. Je te dis que move c'était une masterclass. Là sur round c'est une masterclass. Bon, si tu veux on en parlera après, tu m'expliqueras plus en détail de ce qui vient de se passer là. Mais voilà, qu'est-ce qui vient de se passer? Envoie ta grosse roquette.
tronche. Mais le round il est passé en un clin d'œil. En fait on a attendu, vas-y tu veux développer Samuel, n'hésite pas. Hein. Non mais c'est juste qu'en gros on les a bloqués, en fait ils pouvaient plus sortir du site. Part, là. Ouais, ils pouvaient plus sortir. Il y a l'ulti qui joue, ils pouvaient plus sortir. Ils étaient obligés de reprendre soit le main, soit la hauteur, soit la short, sauf que bah il y avait en gros, une personne partout. On a mis l'ulti Killjoy, du coup quand j'ai l'ulti Killjoy t'es obligé de sortir, sauf que au lieu de juste d'attendre qu'ils sortent et après de rentrer sur le site et de les choper quand ils sont dehors, on a fait l'inverse. Ouais. On a mis l'ulti Killjoy et on a pris les sorties en fait. Je vois ce que tu veux dire. On va appeler cette strat le dôme du oiseau. Je pense que ce sera le nom de cette strat. C'est beau. Le dôme du oiseau, le dôme du oiseau, c'est bon. Le dôme du oiseau. Très très bien joué, on est en 9-3. Pour rappel, c'était, si je dis pas de bêtises, le même score à la game d'avant. Ouais. On est très bien. Il faut qu'on mette le gun round. On vise le round average. On rappelle, très important en cas d'égalité, l'écart au round cumulé entre toutes les games peut nous permettre de nous qualifier. Donc c'est pas à négliger. Logiquement on n'en a pas besoin. Oui, si on fait 3-0, on n'a peut-être même pas besoin. Logiquement, allez, attention l'agression. Il faut pas qu'il va tomber, Martinho. Qui va réussir à récupérer un kill histoire de rééquilibrer la balance. 4v4. 4v4, Marty qui est un petit peu low. On a rien pour le heal. C'est vrai qu'on a 0 heal dans notre composition, mais eux aussi. Ouais, non plus. Donc, ils ont un B bonhomme. Très faible là. Ils ont quoi? Un B très faible. Un B très faible? Ah, ouais. Mais que Sova. J'ai l'impression qu'on n'a rien à foutre que le B soit faible. Non, on sait pas. Ils ont pas de Wola que frère. Il était un bon en tant qu'Ada. Franchement, laisse-moi en douter pour Yas, mais. Okay. Oh, il a réussi à toucher une balle. Il a réussi à toucher une balle sur ce. Sur Yas. Oh, à travers la smoke. Oh, il a arrêté de tirer, dommage. Son voilà qu'a tu l'as gouillé un petit peu. Marcinho 1v3. Est-ce qu'il peut Marcinho? Non, ça va être un petit peu compliqué. 9-4. Ok. Là les mecs, attention. On va sûrement avoir 3 ou 4 shérifs dans l'équipe. Ça peut faire parler la magie. Il y a moyen de faire quelque chose. Putain là, c'est dommage. Oh, tu arrives à prendre un kill à travers la one way. Ah ouais. C'est trop triste. Hein. Ouais. A mon avis, il a un Wallach, mais tu sais, il a des tics de Wallach. Tu vois comment? Du coup, il a pas continué à tirer. Ça pop et ça dépop, genre. Ouais, comme lui, c'est Cypher. Mm. Pour pas que ça soit trop fort? Ouais, pour pas que ça soit trop. Bah oui, sinon, on s'est broken. Oulalalala. Oula, Yas, il a pas envie de rigoler. Il a acheté un Marshall. Oh, il vend des coups dans ce mid, malheureusement, y'a personne. Il vend des coups tout seul. Et là, on va s'aventurer au niveau du short pour Yopa et Martinho avec des shérifs. Il va faire quelque chose, hein. Ok, on a l'info. Je vous le rappelle, mais c'est un round économique. On a que des pistolets, excepté le Marshall. Du coup, on est censé perdre ce round. On a été ping au niveau du main B. J'ai l'impression qu'on sait qu'on est là. Oh, Magic qui a pas été touché. Attention. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire là avec ce trap? Je comprends pas. Alors ils le regardent tous. Ok, on va rentrer au niveau le bon timing. Du market. Gage déclenché. Ok, attention, l'agression sur site B. J'aime pas cette pause me fait peur. Ok, c'est bon, ça. Ok, la belle grenade qui va lui permettre de dézoner. Bon, attention, Yopa. Oh, il est... Ah, dommage. Aïe. Signo, un petit kill avant de... Ok. Dommage, on aura fait tomber deux armes. On est censé le perdre ce round-là. Oui. À partir de là, je veux qu'on achète des armes, c'est full win. Voilà. Là, on va avoir nos vandales. Et par contre, là, c'est ce round-là qui va être super important. Parce que, comme tout à l'heure à l'inverse, nous, on a des armes. Ils sont en bonus, c'est-à-dire que si nous on perd ce round là, on repart en écho, si eux ils le gagnent c'est normal entre guillemets. Si nous on le gagne c'est normal entre guillemets. Et comme celui-là c'est normal qu'on le perde, tu vois, sur le papier, c'est pas... Y a rien ouais. Allez, pitié. Ouais. Voilà, 12-5 à partir de maintenant si possible, les frères. 13-5 ça nous mettrait trop bien. Ah oui, 13-5, bien, 13-5. Oui, 13-5. Franchement on est trop bien. C'est à cause de Pipou. Pipou il a marqué 12-5, du coup je l'ai copié. Les modos vont me le banner celui-là. C'est 1, pardon. Oh, la caméra descend. Allez, attention, on se met une B. En fait, le problème de B, je trouve que c'est vraiment difficile à jouer à cause du Cypher, à cause de ses traps, à cause de ses smokes. Surtout que c'est tenu en plus avec le Sova qui se cache bien loin. Terré dans le B. Ok. On va reculer. Ok. Attention. Magic il va tomber, malheureusement. 35, c'est encore largement possible. Oh non, ok, heureusement la flash qui lui a sauvé la vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est son pote en plus qui l'a flash, Tarki. Oh yes. Oulala les gars, attention.
Oh, 1v2. Yopa, faut le faire. Yopa, faut le faut le faire, Yopa. Quand tu travers. Non, à droite, Yopa. À droite, oui. Yopa. Yopa. Oh, oh là 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 ce minot, c'est Yopa qui nous la saison. Les mecs, la vie de ma mère, on le perdait, c'était la merde. Voilà, oui, moi, je vous le dis aussi. La vie de ma mère, on le perdait, c'était trop la merde. C'est pas la merde, là, non, on allait perdre, mais c'était la merde en mode on repassait sur deux rounds chiants là. Ça, c'est chiant son père, frère. Et là, Yopa qui trouve les épaules et le cran de sauver ce round à peine 16 ans. Oh, le timing, il se tombe vraiment au dernier moment. Oh là. Oh là là, il y a le petit pas, le petit pas, tu l'as vu, hein. J'ai vu le dodge. C'est tellement beau. Mais c'est ça que je voulais faire tout à l'heure en game, je te rappelle quand tu m'as dit d'arrêter de tirer. Oui, bah. Voilà! Refilisez ou pas? Et encore, ça met une B. J'ai l'impression que, ouais, on a compris que ce B c'était plutôt faible. En fait, on a de quoi déloger les traps de Cypher. Mais juste là, on n'y arrive pas. Parce que Fade c'est fort contre Cypher. Tu vois, les traps là, ils sont assez bas. C'est-à-dire que son loup, il dézone quoi, en gros. Ok. En gros, quand tu joues contre un Cypher ou quand tu joues contre une Killjoy, t'es obligé d'aller péter son setup avant de faire quoi que ce soit sur la map, tu vois. Et donc, sinon, aucune Fate, possibilité Sky, de faire fort. Des trucs. Ouais, Fade, Sky, Kayo. Ok. Alors, ceux qui sont très très forts contre Cypher. Allez, attention, Apai qui peut être dangereux, il a pris quelques dégâts, il a perdu un peu de shield. On rappelle, le temps tourne, il reste plus qu'une minute au round. Mais pas besoin de se précipiter pour le moment. Après, attention, parce qu'on est en low buy quand même, hein. On n'a pas des armes de zinzin, frère, on a deux Guardians, on a une Bulldog. Sur le papier, sur le papier, on n'est pas à notre prime, quoi. Si on me demande, c'est bien plus que suffisant pour sécuriser un round 40 secondes. Il va falloir commencer à rentrer. On va accélérer, attention. Ouais, y'a pas qui s'est pris le trap, on a réussi à... Oh là, le dégât. Oh, les... Attends, mais c'est même pas nous. Ah si. Ouais, ok, c'est parti vite. Ouais, c'est dur, Marcelinho. On avait, en fait... Ah, Imo, on aurait peut-être pas du bail, non? T'en penses quoi, Sazam? Ouais, après c'est chiant de... Je comprends, psychologiquement c'est chiant de faire un round d'écho après avoir gagné un round, tu vois. Ouais, je comprends. Ok, time out du coach. Il va faire du bien ce time out, parce que en vrai le round, j'ai pas compris ce qui s'est passé pour être honnête. On s'est fait un peu... Cypher, il... En gros là, faut changer de strat, tu vois, genre... Là, le coach il dit... Cypher, il est solide. Le coach il a dit... Hey, pourquoi tu détruis la porte? Non, il faut la construire. Wesh. T'es super raciste comme mec. Wesh. Non, super raciste, je suis choqué de baiser. Alors qu'en vrai, il dit juste, les mecs, le B c'est dur. Partez sur A, parce que Cypher, dangereux. Désolé, les Portugais. Mais frère, les Portugais, je te jure, c'est trop un peuple, tu peux rigoler avec eux. Ils ont pas l'air de rigoler avec toi là. On va te trouver, t'habites où? On descend à Bordeaux. Non, il leur dit. Guys. J'allais refaire une vanne, non, c'est bon, j'arrête. J'arrête les Portugais, pardon. Pardon, les frères. Il a dit Cypher ZB. Don't Cypher, t'as ZB, go A. Oh là, Cypher, il m'a écouté. Il est parti à Cypher. Oh. Oh la malveillance. Il faut partir loin de ce Cypher. Je pense que dès qu'on va le voir, on va. Non, vraiment, le Cypher, c'est pas un problème, hein, je t'assure. Ah, je te jure que moi, il me fout la haine. Allez, faut rester focus, faut mettre ces rounds. Là, c'est 3 rounds expéditifs, je suis désolé, 5 shérifs, enfin 4 shérifs, c'est plus que suffisant. Il faut au moins qu'on fasse tomber des arbres, il faut qu'on fasse des trucs là. Quitte à jouer. Ouais. Quitte à jouer cet écho. Après, le A, c'est le bon call, hein. Genre. Ouais. Là, ils sont 2 prises mid, la WAP sur B. Réel. Il peut être dangereux ce sauve, hein. Il a une position. Ces traps sont. Genre son trap short, il est utile que si. Oh là 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 là, Yopa qui vient lui exploser la tête. Oh, allez. Oui, même pas besoin, ok, même pas besoin de l'ulti. Ah, cette distance avec le Frenzy. C'est avec le Frenzy qu'il l'a tué. Oh, et Marty il est en leurre, ils ont pas l'info sur lui. Oh, le timing. Timing de zinzouné. Marty qui peut être très dangereux pour Colors. Ils ont une AWA pour Ritek, ça va être très très dur. Ils sont tous enfermés sur le garden. Marty mieux qui peut faire des gros dégâts. Oh, Yas qui a réussi à faire. Oh, dommage. Dommage, mais 3v2, on a une Vandal, une Fantôme. Oh, magique. Oh là là, magique. Allez, 3v1, fake TP, mais on le sait qu'il est là, triple ligne. Avance là, on t'arrache ta mère. Pardon, on t'arrache ta tête. On t'arrache ta tête. Oui, il y avait une AWAP. Ouais, il veut pas jouer avec. Ouais, il y en a sur la jet, ouais.
Ok. Non mais frère. Non mais là le frenzy, là c'est au frenzy des frères. Pitié, c'est au frenzy ce qu'il vient de faire. Ouais non mais ça c'est dingue, non mais moi c'est le headshot il... Il me terrorise frère, parce qu'en plus il est en ligne cassée, c'est pas une ligne évidente là où il est. Et là, non mais frère, là j'ai vu les trois lignes rouges, j'ai compris ce qu'il y a de se faire. Les échos ça se met. Ouais, voilà. Les échos ça se met, on vous l'a dit. Allez, tout le monde est armé, absolument, tout le monde est armé, on a réussi à mettre des bons dégâts, j'ai l'impression sur la jet. Non pas tant que ça. Bon en vrai, 11 de shield et 5 HP c'est pas mal. Ouais, bah on c'est... On a déjà vu pire. Au moins ça one shot à la fantôme si je pas bêtise. Ouais. On a beaucoup d'infos là. Hein. C'est bien. On a de quoi faire côté job life. On peut aller chercher ce A. C'est vrai qu'il est uniquement par Caillou et Omen. Ouais, très faible. Hein. Très très faible. Allez, Yopa, s'il te plaît. S'il te plaît, Yopa, ouais. S'il te plaît. À l'âge de tes 16 ans. Après, je joue spec contact donc. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est tous crampés? Mais non, il a une fantôme. Ah non, oui, Asko, pardon. Okay. Il faut réussir ce duel. Ah, le duel au Garden va être très important. Oh! Okay. Oh là 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 là. Oh là, attention, parce que tout le monde qui est flash, Marcelino qui vient sauver ses amis à travers la smoke! Travers smoke, travers flash. Ok, attention, parce que là il y a les trappes de trade de Cypher qui peuvent nous mettre un petit peu en galère. On est 4v3, on est rentré sur le site. On va planter Spike, ok, on va checker, il y a personne ici en bas. On est tranquille. La pose du Spike qui va être faite. Ils sont 3, ouais, ils sont 3 dans la smoke. Les petites nanites qui vont être mises. Attends, Marty il est dangereux de fou là. Oh là là, dommage, Magic est tombé. 3v3, 3v3, 3v2, attention. Attention, il faut pas que Killjoy meure. Ah si, Killjoy est mort, Marty. Un v1. Allez, Marty. Non, il a touché en plus. 9 HP. Oh, guys. Ouais, dommage, Magic qui meurt. Ouais. Main. Ouais. Tellement là, depuis tard il fait des trucs de fou, Marty frère. Ah, Marty fait une grosse game. Hein. Et Marty, overall, en tout cas de ce qu'on a vu, il a des 3 games. Je trouve qu'il y a eu un step up par rapport à la saison d'avant. Il prend ses responsabilités. Ouais, vraiment, je le ressens et je suis content. Putain, là c'est dommage. Là on tombe un peu tous comme des mouches. Mm. Ils ont bien joué côté Colors au niveau de leur duel. Non, mais il le mérite tellement. Avec des si on refait le monde, mais tu vois, il décale large là, frère. Franchement, sur le coup, tu sais, okay, dans le monde. Oui, bien sûr. Colors, ils ont pas beaucoup d'argent là. Mais... Ah, oui, c'est encore dans des bails un peu chelou. Un peu ric-rac. Ouais. Ils ont beaucoup d'ulti par contre. Par contre, 13-7, c'est tout là, je veux pas plus. Ça y est, on commence pas à faire 13-8. Il faut clôturer cette game. L'ulti de Yas, j'ai envie de voir si Yas avec ses kunai, j'ai envie de le voir ce qu'il sait faire, déployer ses ailes. Attention avec le Cypher au mid qui peut être très dangereux. On prend notre temps. Le drone. Personne n'est vu. Ok, ça joue parfaitement. Ça se cache côté job live. Attention, le duel peut-être entre Magic et Shaco au niveau du Garden. Puis il a un Judge. Il y a pas de temps à Lucid Jet, on est d'accord. Il a autant que. Ouais, il est limité. Tant qu'il a ses kunai. Ok. Ok, allez. On enclenche au niveau du market. Va rentrer, Yopa Yas pour entrer agressif, Magic. Oh là, Magic, le petit lurker. Oh là, Yas qui lui a explosé la cervelle. Attention à pas mourir, Yas. Oui, 20 HP, il va pouvoir survivre. 5v3, oh, Magic il a l'info. Oh là, Magic. Oh, Magic, faut y aller, mon bébé. Ah, il les a pas entendus. Si, il les a entendus. Oh là, voilà, je te dis qu'il a entendu, Magic, Starkey. Plus qu'un. Il y a une Guardian. 5 HP, Magic il va sécuriser le round, 12-7 les frères, plus qu'un round. Balle de match les mecs. Et attends, mais ils ont pas de tal. Et ils ont pas de tal. Ils ont une arme, les kunai et l'utile de Kayo. Non vas-y, je dois faire un don. Choix. Non mais attends, mais là qu'est-ce qu'ils vont faire? Après Belek, parce que nous on a une sale écho tout à l'heure aussi avec 4 shérifs. Allez, plus qu'un round les mecs. Plus qu'à rondir son écho, on a le droit de le perdre celui-là. Celui-là, on a pas le droit de le perdre. Les gars, je vous le rappelle, hein, si on n'avait pas fait 2-0 aujourd'hui, on aurait été complètement éliminé de la course au playoff. Et là, aujourd'hui, on a l'occasion, après ce round, d'être en 2-0. Starkey qui va récupérer le first boot sur cette jet. Et ça fait plaisir parce qu'elle avait des kunai. Le reste de son équipe n'a pas d'armes, à part la Vandale. Oh là là, Magic qui va réussir à prendre le kill. Allez, faut y aller, 3v5. 3v5, on chie pas dessus. On y va, on sécurise.
On sécurise notre petite place pour les playoffs. On a l'info au niveau du Garden sur Chaco. Et on va en retard, ils sont tous sur A, ils sont perdus. Pendant ce temps la Magic qui prend du terrain, pendant ce temps la Magic qui va nous open peut-être ce B. Et y'a personne en B, y'a complètement personne en B. Il est complètement délaissé. Faut y aller, pitié. Allez-y. Pensez. Ulti Killjoy au cas. Oh non, putain, mais on sait pas, mais on veut sécure, on a bien raison. Faut jouer safe, ils ont pas de Warlock hein. Attention, par contre, le main peut être un peu relou. Bon, il surpeut. Non, Banks. Oh là 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 là, il y a ce travers la smoke encore une fois qui arrive à récupérer un kill. Deuxième kill à travers la smoke, yes. C'est quoi ce cheat de l'as? Yes. Let's go, on est encore dans la course. Oh là 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 là. Attends, est-ce qu'ils vont sourire? Ouais, il est dégoûté. Non, si, il a un petit sourire. Non, Thomas, je vais faire un petit sourire. Garaga. Oh, ça fait plaisir, ça, cousin. Ah, celle-là, elle est bien. On a récupéré 15 rounds average. Est-ce que tu te rends compte? C'est énorme. C'est énorme. 15 rounds, frère. Les gars, juste. Là, on est content, mais c'est pas fini. Demain,